chez Taureau avait enfin été mis hors circuit et notre Koutaro avait retrouvé sa fierté. Mais celle-ci allait être à nouveau mise à rude épreuve. Retournement de situation et rebondissement en tout genre nous attendent dans le bien nommé Acte 5. Donc salut tout le monde, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour l'acte 5 de Pewpeter dans la ville d'Halloween. Ça tombe bien parce que je sais pas quand je publierai... quand je publierai l'épisode. Mais on est en pleine fête de Noël. On est en pleine fête de Noël, pleine fête de Nouvel An, donc je trouve que le thème est tout à fait approprié avec ces fêtes. Non ? Ah ? Ah bon, ok. Bon allez, c'est parti pour l'acte 5. Revenons aux aventures de Koutaro. Bah ouais, on est un peu là pour ça, hein, mon grand. Mais sur ce temps de chargement qui est toujours long. Il n'y a pas longtemps, dans une galaxie pas lointaine du tout. Oh mon dieu, plagiat Star Wars! Le Calibrus et à la puissance des quatre champions, Koutaro avait triomphé de tous les généraux envoyés par l'abominable roi ours. Ouais. La moitié de la lune était désormais libérée du joug du tyran. L'étau se resserrait autour de ce dernier à mesure qu'il perdait des fragments de pierre de lune et que son pouvoir faiblissait. Les héroïques exploits de Koutaro représentaient une lueur d'espoir pour les lunéens opprimés, et on sentait poindre les prémices d'une rébellion. Le garçonnet fragile et égoïste s'était transformé en héros noble et intrépide. Koutaro, que le forceps... que les ciseaux soient avec toi. Que le forceps... Oi, oi, oi. Koutaro et Picarina tentaient de rejoindre le grand désert quand ils se retrouvèrent au milieu d'une impénétrable forêt. Alors que de sombres nuages s'accumulaient au-dessus de leur tête, nos deux héros commencèrent à regretter sérieusement la touffeur du désert. Ah, on se croirait dans la forêt hantée de Blanche-Neige. Un peu, ouais. Mais on devrait peut-être faire demi-tour. Parce que quand même, ce serait bête de se perdre ici, tu trouves pas ? Ok, retour à la case départ. Mais hélas, ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée d'où se trouvait la dite case départ. Koutaro, t'es pas censé céder à la panique. C'est toi le héros de l'histoire, celui qui sauve tout le monde. Après tout, t'as su prendre le taureau par les cornes et l'écraser quand même. Koutaro était bien assez fort pour en remontrer à quelques arbres décharnés. Écoute, tu as une lune à sauver et une princesse solaire à satisfaire. Alors du cran, mon vieux! Comme s'il avait le choix, l'unique solution qui s'offrait à eux était de continuer tout droit. Notre héros rassembla son courage et se mit en route, la pâle lueur de la terre guidant ses pas. Tête! Tête! Wow, tête! Tête! Ouais, ça commence bien. Le cavalier sans tête avait entraîné Koutaro et Picarina au plus profond de l'inextricable labyrinthe végétal. Ouais, j'ai une tête de rat. Qu'est-ce qu'elle fabrique là, cette tête ? Elle est bien chauffue, cette citrouille. Je suis sûre qu'on pourrait l'illuminer avec une bombe. Eh ben, c'est parti. Hop. Et boum ! Et la lumière ! Hé, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va. Jour, nuit. Jour, nuit. Oui, je vais t'appeler Jacouille. Tête de citrouille. Bon, c'est plutôt classe. Oh, normalement, il y a plein de têtes par ici. Genre ici. Voilà. Hop, la tête de citrouille. Alors, franchement, c'est, ça doit être... Voilà, ça doit être un des mondes aussi que j'adore. De ce jeu. C'est... Voilà, c'est l'univers Halloween, mais en même temps, c'est un univers assez gai, assez joyeux. Oui, là-bas. Hop, voilà, une citrouille. Non, attends, un bonbonnier. Un bonbonnier. Ouais, on va découper des bonbons. À moi. Non, Picarina, tu te calmes. Tu te calmes. Hop. Alors là, les et petites... Voilà les ennuis. Surtout, ne ralentis pas. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? Koutaro, une citrouille ! Wow, wow, wow. Hop là, je suis caché. Dun 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 dun.
Ah oui, la tête de Kato. C'est ce que je préfère. Gâteau, 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 gâteau. Gâteau. C'est mon gâteau. Non, c'est ma tête de gâteau. J'ai une tête de gâteau. Voilà. Oui, bon, la tête de gâteau, c'est fait. Hein, on n'en parlera plus. Sans bien savoir où ils allaient, Kutaro et Picarina continuèrent leur route dans les ténèbres denses et sucrées du poil de gomme. Ouais. Ah, la tête de squelette, tiens, ça faisait longtemps. Vas-y. Breakdance. Voilà. Ah, oui, c'est juste pour... Oh là, oh là. Quelque chose. Ah oui, ils les fantômes. Pas la lumière, je crois. Oh, les fameux fantômes. Alors, ils sont chiants. Dès que je vais être dans le noir, ils vont me poursuivre. Voilà, faut que je sois près de la lumière pour qu'ils me lâchent. La trouille me fiche la trouille. Tu peux l'allumer ? Ouais, hop. Là, normalement, voilà. Et je vais descendre parce que je sais qu'il y a ça. Il n'y a pas des trucs cachés par hasard ? Non. Une tête cachée, ce serait sympa. Hop. Voilà. Oh, voilà les fantômes. Oh, 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 oh. On se calmait. Voilà, donc là il y a un truc de bombe. Fini de rigoler. Voilà. Hey, hop. Il y a quelque chose qui approche dans le noir. Oui, oui, c'est les fantômes. Va vers la lumière. Kutaro, ça oui, bah, je fais ce que je peux, Picarina. Taya dans les sucreries sur son passage. C'est nul, tous ces bonbons gâchés. Pas d'inquiétude, jeune fille. L'équipe technique se fera un plaisir de les manger. Ouais. Ça, c'est bon. Oh, 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 oh. Hop, choper celle là-haut, voilà. Super. La lumière les a fait fuir. Comme quoi, les citrouilles ne servent pas qu'à faire de la soupe. Non. Alors là, c'est quoi comme tête? Ah bah, la tête de citrouille. Je crois que je vais en avoir besoin ici. Par contre, là, ça va être chiant. Non, on va utiliser la tête de citrouille. Voilà. Un carrosse ? Une dure que j'ai pas pris mes pantoufles de verre. Donc là, bah, référence à Cendrillon, hein. Forcément. Ah, c'est beau. Enfin, c'est Cendrillon et l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un mix. Allez, niveau bonus. J'ai pas intérêt à tomber. Tête de... Attendez Je crois qu'il y avait une tête de cochon. Que je ne connais pas, je sais pas où la trouver. Pendant qu'une vilaine lutine du nom de Picarina se moquait de lui et lui tirait les oreilles. Ouais. Mais grâce à la magie qu'il avait dans la tête, Kutaro transforma une citrouille ordinaire en impressionnant carrosse. Ce dernier le conduisit au Castel Noir, demeure du prince roi ours de la lune. Ah, je suis dans le Castel Noir là ? Aux 12 coups de minuit, le charme se rompit. Dans ouais, bah fuite, oui. Kutaro fit tomber sa tête sur les marches du palais. Oh merde. Dit ainsi sa personnalité et tous ses souvenirs. Donc là, ouais, c'est voilà. Quoi, cette version remasterisée de Cendrillon là. Bah ouais. Déjà, il y a une grosse erreur dans le casting. Je ne suis pas une vilaine lutine. Et en plus, je vous signale que Kutaro n'a pas d'oreilles. Ouais. Je suis une jeune fille au cœur pur, moi. Aimable et ravissante. Oui. D'ailleurs, tout le monde m'aime. Je oui. devrais avoir le rôle de la princesse. Avec un diadème de diamant, bien sûr. Oui. Ça devrait être moi, la star. Bref. Voilà, tais-toi Picarina. Donc pendant que ça parlait, j'ai réussi. Hein. Et là, par contre, le truc en ombre, je trouve ça super bien fait. C'est vraiment énorme. Voilà. Voilà. Hop, on s'éclate un peu. Hein. Ah la queue le. Hop. Vite, vite, pète. Voilà. Ah, taureau. Ok. Ouais, mais comment je remonte ? Voilà. Une poignée de lutteurs ! Je crois que son humeur s'éclaircirait si on lui amenait le carrosse. Ouais, eh ben allez. Je sais pas si je peux l'avoir la tête de l'épouvantail, tu vois. Merci bien. Les corbeaux, ils me dérangent pas, mais les fantômes, ils me filent la frousse. Super. Ouais. Mais si vous voulez vraiment me remercier, dites-nous plutôt où on est.
Excusez-moi. Oh oui, vous êtes pas très loin d'Halloween. C'était un patelin bien chouette jusqu'à ce que les généraux de ce fichu roi ours viennent tout chambouler. C'est Halloween. Et des trucs aux citrouilles. Oh, les bandes de dégueulasses. Ils leur ont fait pousser des bonbons partout sur la courge. Ça explique les arbres à bonbons et à biscuits. Ils ont molesté une soupe de citrouille. J'espère que vous en avez pas boulotté. Ceux qui en ont goûté se sont transformés en affreuses créatures. Ah bah ils ouais. Sont peut-être périmés, faut dire. C'est quoi cet accent? C'était quoi? Ils sont peut-être périmés. Des chiens plutôt. Le général Kleps. Sans vous rien, tout le monde aurait déjà décampé. Ah ouais. Général Kleps, je l'adore. Allez, viens, Kutaro. On va dresser ce cabot et lui prendre son fragment de pierre de lune. Ah, il faut la tête de fantôme. Je sais pas si... Voilà. Tête de fantôme. Qu'est-ce que ça va déclencher? Fantôme. Hey, il court vite pour un épouvantail. Bah alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, buzzer! Ça s'arrête! Je préférerais encore être sur la paille que de subir ça! Pas la mort, s'il vous plaît, pas la mort. Soyez gentil. Hein? Moi, je suis gentil avec vous. Ah, faut appuyer? Ok. Ça sent pas bon. Et merde. Aouh! Méchant. Me casse. Bon alors. Ok, des fantômes encore. Ils sont venus entre potes. Comment on va faire pour passer? Eh ben pour passer, c'est pas compliqué, il suffit de suivre les lucioles. Ouais, sauf que moi, il y a une tête que j'aimerais récupérer en fait. Oui, oui, mais j'aimerais bien bouger la Picarina, t'es gentil. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Tête de quoi ça? Ah, tête de fusée, merde. Non, hop. Hop. D'inquiétants hurlements déchirèrent les ténèbres du bois de gomme. Oh, t'inquiète pas, Kutaro. Je suis là, je te protège. Notre héros filait-elle une citrouille enflammée dans les ténèbres? Ni les gouffres, Picarina qui protège vachement. Ne pouvait arrêter sa course folle. Il allait sortir de cette forêt et mettre un terme aux agissements du général Kleps. Hop, donc là il y a encore un truc. Eh, sympa. Hop. Encore des gâteaux. Ah, le gâteau. Oh, c'est trop injuste de pas pouvoir les manger. Eh ouais. Trop injuste. Voilà. Wow. Wow. J'allais dire que c'était du gâteau. Et voilà qu'il y en a un qui apparaît par magie. Youpi. Oh la vache, le tremplin. Oh, je me souvenais pas qu'il allait aussi loin. Les hurlements se rapprochaient de plus en plus. Fantôme. Voilà, au revoir. Ouais, ça colle très bien avec l'ambiance Noël, hein, moi je trouve. Merde, merde, merde. Tais-toi, toi. Tu fais peur. Tu m'étonnes. Ah oui, là, pour passer ici, c'est... Oh. Allez, 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 hop là. Il y a quelque chose là-bas. C'était une grosse, non, une gigantesque citrouille. Ouais. Elle était si grande que les petites courges qui poussaient grâce à elle avaient l'air de navets à côté. Attendez, c'est clair. Qui poussaient grâce à elle? Alors ça... Voilà, boum. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour que le voile de gomme soit plongé dans les ténèbres, quelqu'un avait capturé les lucioles. Oui! Il va enfin y avoir de la lumière dans cette forêt! Yes! Ah, le truc est là. Alors par contre, tête de luciole, non? Tête de luciole, peut-être? Suite à ce changement d'ambiance inopinée, un long hurlement se fit entendre. Ils veulent pas. Dans les sous-bois. Tais-toi, sale Kleps! Kutaro va venir te donner une bonne leçon! Ouais! Alors, Général Kleps, il joue un peu comme tigre. Ah bah, le v'là, d'ailleurs. Le v'là, Général Kleps. À l'orée du bois, tel le Cerbère montant la garde... Coucou. Se tenait l'affreux Général Kleps.
Vous êtes des ennemis. Alors c'est lui, le général Klebs. Hein? Attends, t'as vu? Il a une laisse. Une tête de bonbon. Quoi? Quelle laisse? Tu sais quoi? On devrait peut-être simplement l'ignorer. On dirait un peu Homer Simpson. Non, attendez. Non mais là... On dirait la voix d'Homer Simpson, je trouve. Tout ce que je veux, c'est que le méchant roi ours me gratte les oreilles. Comme ça? Oh, on peut jouer. Non mais je rêve. Non. Viens, Kutaro. Juste un petit peu. Pas question. Regardez-moi. Écoute, je suis plutôt chat, moi. Je suis grand et fort. Si vous me battez, vous aurez mon fragment. On l'aura, de toute façon. Tiens, je sais Pichenette. Que vous m'aimez. Oui, je t'aime. Coucher, Médor. Oui, je t'aime. Oh, elle me kiffe. Je crois que c'est l'animal le plus débile que j'ai jamais vu de toute ma vie. Qu'est-ce que t'en penses, Kutaro? On lui lance un nonos? Ouais. J'adore les nonos. Je crois, sans se tromper, que son point faible, c'est le cerveau. Oh oui. Un bon coup. Y'a une nonos. Tu fais du vent avec ta papatte? Ah bah oui. Fais du vent avec ta papatte. Oui, c'est bien. C'est un beau toutou. Voilà. Ouh. Merde, ma tête de bonbon. Allez. Voilà. Et l'autre maintenant. L'autre papatte. Voilà, et... Hop. Regarde, les citrouilles ont eu tellement peur qu'elles se sont envolées. Taille ta route, Kutaro. Vers le haut. Oui, bah là, j'ai plus de sucette, je peux plus. Voilà. Ne partez pas. Fais tomber cet os. Vite, il regarde à l'heure. Pilote. Bandai. Berk. Yep. Ah, si je pouvais juste attraper la pierre de lune. Ah, j'ai le cerveau. Ah, c'est cool. Oh, c'est cool! Depuis le temps que je cherchais le cerveau. Depuis le temps que je cherchais la tête de cerveau, là je suis content. Dans la partie personnelle, j'ai pas réussi à l'avoir. Et j'aimerais bien savoir ce que ça débloque en fait. Parce que dans le niveau d'après, on en a besoin. Alors, qu'est-ce que tu fais, Toutou? Oui. Voilà. Encore une fois. Et hop là. Tac. Ta route, Kutaro. Vers le haut. Bah oui, mais... Voilà. Jouez avec moi. Non. Vite, il regarde ailleurs. Pilonne-le. Bandai. Boum. Bon, allez, Kutaro. Finish. Fais des nœuds avec sa cervelle. Je veux bien, mais... C'est où que je le fais? Ah voilà. Vous ne passerez pas. Si. Tu n'es pas Gandalf. Non. Pas là. Non. Voilà. Toutou content. Mais allons-nous. Voilà. Je suis un cerveau. Je savais que t'allais pas te laisser impressionner par un caniche. Hey, un gros caniche quand même. Ça nous en fait combien maintenant? J'ai perdu le compte. Ah, y'a singe là derrière. La ça maison sent pas bon. Était comme une vision de paradis. Leurs yeux s'attardèrent d'abord sur la neige de crème fruitée qui recouvrait un toit en tuiles de chocolat, puis se déplacèrent avec gourmandise sur les murs constitués de biscuits et s'arrêtèrent enfin sur les fenêtres en sucre candy délicieusement appétissantes. Oh oui. Alors qu'ils pensaient encore aux moulures de macarons et aux lucarnes de gâteaux roulés, leurs yeux décidèrent avec sagesse de se fermer afin de leur laisser apprécier l'entêtant parfum sucré de l'édifice. Oh la vache, ça sent trop bon! Est-ce que... vous pensez que ça les dérangerait si on goûtait un petit bout? On n'a rien mangé depuis plusieurs... minutes. Non! 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 La délicieuse maison!
lumière de lune. Je vous tue. Coup d'arrow. Ta ceinture crache du gaz. C'était un piège. Parfaite. C'était un piège. Nos amis s'étaient commodément immobilisés pour permettre aux macaques de les escamoter. Eh ben, retournement de situation. Bon, on est qu'à 20 minutes, on va peut-être avancer encore un peu dans l'histoire. Je pense qu'on va faire ça. Donc vous aurez très bien reconnu avec l'allusion à Hansel et Gretel. Kutaro avait vaincu la menace. Avec la maison en pain d'épices. De quelques chanceux gardes. Enfin, quoique Hansel et Gretel, je suis plus sûr que ce soit une maison en pain d'épices. Était déjà en route pour la terre. Si, c'est ça, hein. Je dis pas de conneries. Oh, je sais plus. Si, si. Hansel et Gretel, c'est une maison en pain d'épices. Enfin, bref. Bref. Après, donc, on est quand même dans le thème de Noël, hein, mine de rien. Et museler le général toute la Klebs, bouffe, tout le sucre. Héros était tombé sur on va encore prendre tous 20 kilos. Sur une maison faite de bonbons et de biscuits qui risquait bien de lui faire perdre la tête. Une chose était sûre, y résister n'allait pas être de la tarte. Oh, jeu de mouette de balle. Bon, allez, le rideau numéro 2. Et à présent, donc, scène 2. Continuons notre aventure. C'est parti. Bienvenue. Et là, ça risque d'être rigolo. Où spectres et autres revenants hantaient les rues fantomatiques. Un endroit où les citoyens passaient leur mort à effrayer, terroriser et épouvanter les âmes sensibles. Bien sûr, c'était avant la disparition de la déesse lunaire, avant que le sournois général singe ne joue un mauvais tour aux habitants. Mm-hmm. Il chassa le maire et sa lugubre famille de leur manoir hanté et s'empressa de transformer le bâtiment en un sinistre laboratoire. Installé dans ses nouveaux quartiers, Singe commença à faire des expériences sur les récoltes. C'est pas gentil, ça. Alors, les effets des citrouilles améliorées par Singe sont-ils à votre goût? La première bouchée est divine, puis c'est la cerise sur le gâteau. Ouhouhou, les fragments de pierre de lune sont à nouveau dans nos mains. Sa Majesté le Roi Ours sera... Mais je serais bien fou de céder pareil pouvoir. Je pourrais mener des expériences extraordinaires. Là, j'ai vraiment les boules. Les boules, c'est le cas de le dire. Moi, Singe, j'utiliserai ces fragments de pierre de lune pour mes expériences. Ça, c'est le genre de truc qui me fait. Sale macaque. Donc voilà, on est obèse. T'as le droit de faire des blagues aussi pourries. Oh, je t'aurai. Enfin. J'aurais retrouvé mes orteils. Ah. Voilà, qui est fort en avant. Il y avait longtemps. Mon petit héros joufflu. Quelle honte à vous de vous être livrés comme des cochons. Vous nous crierez dessus plus tard. Le macaque a filé avec nos fragments de pierre de lune. C'est horrible. La pierre de lune a le pouvoir de restaurer la magie et la mémoire. Mais vous, vous avez fait n'importe quoi. Kutaro, tu es un garçon spécial, en effet, spécialement bête. C'est bon la leçon de morale. Rendez-nous notre apparence si vous voulez qu'on vous aide. Oh, mais la magie ne combat que la magie. Même si c'est un sort qui vous a amené à manger ces bonbons, ceux-ci étaient tout à fait normaux. Qui se coiffre grossit, c'est lavé. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Vous pouvez t'es pas grosse. Nous aider? On va rester comme ça pour toujours. La magie ne peut pas vous aider, idiote. Vous avez grossi tout seul. Débrouillez-vous pour maigrir. Plus facile un pur café. Oh, rien n'est jamais facile. Vous allez vite vous en rendre compte. Eh ouais. Arrêtez, dégagez. Enfin, il est dodu. Il n'y a pas de temps à perdre. Oh, tout ce que je veux, c'est la pierre de lune et Calibrus. Oui, rien que ça. C'est tout. Oh. Ou alors, vous pourriez laisser tomber et rester une affreuse et méchante sorcière. Pour toujours. Ah, c'est donc la sorcière qui tire les ficelles. Cette information devrait m'être bien utile. Eh ouais. Donc là, ben, on va maigrir. On va faire maigrir Kutaro et Picarina. Le piège du général Singe avait largement transformé le petit Kutaro de héros.
Ah. En tonneau. Oh là là, faut qu'on fasse un régime. Allez, on décolle. Alors, je sais pas si j'ai des petites têtes à récupérer par ici, peut-être. Non, bon allez, pour faire un régime en fait, bah là il suffit que je pilonne la touche carré et que je saute pour pas perdre mes têtes. Et merde. Ah, j'ai déjà plus qu'une tête. Chier. Rochers, ponts et allez, 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 allez. Littéralement pas le poids devant cette version XXL de Kutaro. Merde. Et merde. Corps, désormais sphérique, était comme un micro. J'ai éclaté comme un ballon. Alors ce passage-là est pas facile. Je le trouve vraiment pas facile ce passage. Parce qu'il faut vraiment pilonner et faut être sur ses réflexes. C'était possible. Voilà. Désolé. Disons simplement que notre héros se laissa rouler dans l'avenir qu'il espérait plus léger. C'est bien, Kutaro. Tu maigris à vue d'œil. Ouais. Rochers, ponts et ennemis ne faisaient littéralement pas le poids devant sa version XXL de Kutaro. Son corps, désormais sphérique, était comme un microcosme de son combat. Allez, allez, allez. Un mini Kutaro taillé dans la graisse à l'aide d'un mini Calibrus. Merde, merde, merde. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Eh ouais. Tu gères, mon pote. Alors, le jour où on fera un régime comme ça, moi, je veux voir ça. Le tour de taille nous en dit long sur l'histoire de l'humanité. Je veux voir la ça, sérieux. Culture, puis les techniques de ça peut être drôle. On divise les hommes. D'un côté, les gros, de l'autre, les pauvres. On peut parler de bedénocratie. Hop. Pour allez, 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 allez. Les gros et les nouveaux. Ah, je sais pas où j'en suis là, mais. De rationner la nourriture. On nomme le merde, j'ai pas eu. J'ai pas eu la tête, j'ai pas eu la tête. Faites la queue. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Mais le communisme finit. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, la vache. Qu'un idéal politique pourrait rivaliser. Bah oui, oui. Des attraits du caviar et de la. Yes. Cela n'avait pas été facile. Mais Kutaro avait éliminé tous ses kilos. Enfin débarrassé de cet encombrement tout de graisse, il pouvait à nouveau se glisser dans sa peau de héros. Oui, génial. Au fait, et moi dans tout ça? Moi aussi je maigris, non? Non. Oh non. Je veux pas être la seule bouboule. Moi, t'es une belle bouboule. Cet amitié qui semblait être à toute épreuve menaçait de se transformer en acerbe dispute post-régime. Non, sans blague. Je rigole pas, là. Qu'est-ce que je deviens, moi? Vous l'avez encore, mon autre costume, j'espère. Je vais pouvoir enfiler autre chose vite fait pendant le changement de décor, hein. Ah, vous essayez de bousiller ma carrière? C'est minable. J'ai une image à soigner, moi. Vous savez quoi? Vous pouvez aller dire au manager que j'ai déjà appelé mon agent et mon avocat, compris? Ah là là, Picarina. Eh oui, tu vas retrouver la ligne. Tu vas retrouver tes petits orteils. Le rond et bedonnant combat... Le long et éprouvant combat de Kutaro contre ses kilos en trop l'avait mené jusqu'aux portes de la ville d'Aloï. Oh oui, c'est vachement mieux. Je vois à nouveau mes orteils. Oui. Donne-moi des bonbons. Oula. Ou meurs. Non. C'est pas très esprit d'Halloween tout ça. Non, pas trop. La monstrueuse citrouille crachée. Non, non, c'est farce aux friandises. À ce rythme, Kutaro et Picarina allaient être ensevelis. Ouais, bah non. Merde. Et bah voilà, je suis enseveli. Dans la crème chantilly. Donne-moi des bonbons. Non. Je l'aime pas non plus celui-là. Très esprit d'Halloween, tout je l'aime ça. Pas du tout celui-là. Non, c'est un boss, hein. Au cas où vous n'aurez pas deviné. À ce rythme, Kutaro et Picarina allaient être ensevelis. Voilà. Oh, oh. Je suis malade. Complètement malade. J'avais pas vu autant de vomi depuis mes soirées étudiantes. Je peux pas rester là. Hey, carrément, le vomi des soirées étudiantes, toi. Vous n'échapperez pas. On crème toutes les maisons. Décrème-les qu'on puisse continuer. Ouais, bah on va essayer. Hop, il y avait une tête, mais je sais pas ce que c'est, donc tant pis, je continue. J'aimerais bien arriver à la ville d'Aloï. Je vais vous anéantir. Non. Oh non, le sol est en train de s'effondrer.
Dépêche-toi, ou tu vas finir en île flottante. Je me grouille. Les idiots n'avaient plus aucun espoir. La ville tout entière se dressait contre eux. Non ! On va par où ? Par là ! On suit les chauves-souris. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un passage compliqué aussi, ça. J'avais complètement zappé. Ah oui, c'est vrai, ça passe à travers, ça. Oh, fais chier, faut que je me dépêche. Voilà. J'ai complètement zappé que ça passe à travers. Hop, donc là, normalement, je passerai tranquille. Voilà. Hop, on recommence avec les chauves-souris, je suppose. Yes. Oula. Oui. Vous êtes perdu. Non, ça va. Alerte à la crème. Oui. Merde, c'est quoi ça? D'accord. Merde, ça monte trop vite. J'aime pas la crème comme ça. Quoi, y'en a deux? Merde. Voilà, allez. Allez, boum. Je pense pas. Voilà. Eh ouais. On s'est fait bouffer par une citrouille. La pénurie de chirurgiens dentistes qui sévissait. Ah ouais, d'accord, il me faut la tête de bonbon là. Ah putain, ce serait classe si elle était là. Je vais vous couper. Non, elle est pas là. C'est des caries, ces trucs gluants ? Oh bah ça va pas, ouais, c'est du bien si tu les attaques. Hop. Impossible de lancer une bombe avec ce truc visqueux. Ouais, bah attends, on va s'en servir. Voilà. Lance une bombe dans la carie. Hop. Ouh, ça fait mal hein, les caries. Pour ça qu'il faut se brosser les dents. Cette fois, alors là, ce passage-là, moi, je trouve ça énorme. Décidé à ne pas desserrer les voilà. Dents. Pas le moindre petit espace interdentaire par où s'échapper. Ils étaient piégés. Tiens. Ah, d'accord. J'ai juste récupéré une tête. Ok, donc c'est ça qu'il faut que je pilonne. Boum. J'ai éclaté les dents. Bah non, j'ai rien fait. C'est qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Ouais. Surtout si on veut pas se casser les dents sur son dîner. D'ailleurs, on se fait souvent dévorer, je trouve. Tigre, serpent, baleine, et maintenant une citrouille. Je suis sûr qu'on en a vu plus que sous endoscopie. Allez. Oh putain, je croyais que ça passerait pas. Hop, tiens, bouffe ça. C'est reparti. C'est parti pour un petit soin dentaire. N'oubliez pas que les caries peuvent entraîner une mauvaise haleine, une inflammation des gencives, la surdité et la mort. Alors pensez à votre visite de contrôle. La surdité ? D'accord. La surdité. C'est nouveau ça. Ouais, c'est nouveau. La surdité, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous ne brossez pas les dents, vous serez sourd. Ouais. Encore une. C'est pas des conneries. Bonjour, la carie. Au revoir la carie. Ah, je crois qu'encore une fois, on a gagné. Et mademoiselle parle d'expérience. Voilà, hop. Merde, je me suis fait avoir. Hop, venir ici. Hop, il y a deux. Oh, plus qu'une. Plus qu'une dent, et c'est fini. Hop là. Cet acharnement sur ces caries avait été la colère du monstre citrouille. Fini la dégustation. Par contre, j'ai pas intérêt à me louper. Une bonne fois pour parce toutes. Que j'ai plus qu'une tête. Ah bah non, c'est bon, j'en ai deux. Hop. Oh la vache. Oh là, il me sort les dents là. Merde. Ma tête. Voilà. Ah oh, putain, faut que je fasse ça maintenant. Allez. Encore une carie.
Et dégage. Ah, j'ai la tête de Nebula. Donc, Nebula Oblongata. Voilà, c'est elle. Vous avez tout gâché. Quoi ? Hé, hey, on se calme. Si on vous avait pas fait sortir de là, vous auriez passé le reste de vos jours dans la peau d'un monstre citrouille. Qu'est-ce qu'une citrouille ? Sinon la manifestation du caractère prévisible du quotidien. Mon âme ne sera jamais libre. Vous débloquez ? On vous a carrément sauvé la vie. Oh là ! Je suis Nebula, Nebula Oblongata, vagabonde existentielle du cosmos de l'âme et éternelle prisonnière de l'enveloppe charnelle de mon imminente adolescence. Vous êtes un fantôme ? Pas vraiment. Comme tout le monde dans cette ville, les gens s'obstinent à dire que je suis la fille du maire. Mais ils se laissent abuser par une illusion. Ils ne voient pas que je suis un rayon de lumière ardente au milieu d'une galaxie de ténèbres, dédaignée par les dieux et enfermée dans cette cage que vous autres mortels appelez un camp. Ah, super! Alors, si vous êtes la fille du maire, vous avez peut-être vu un singe, le général singe. Il nous a volé des trucs et on voudrait les récupérer. Oui, le simien mène des expériences dans le manoir hanté 6 au cœur de la ville. Cet édifice que j'appelais jadis ma maison. Bon, et ben, Kutaro, allons-y. Attendez. Ah oh, me faites plus ça. Le général singe a transformé le manoir hanté et en a fait un laboratoire. L'endroit est un piège mortel de fer et d'acier, un dangereux dédale de tuyaux et de substances toxiques. Y pénétrer reviendrait à signer votre propre arrêt de mort. Sympa. Sauf, bien sûr, si vous passez par la porte indicible. Indicible ? Mais vous venez de dire son nom. Oh. Donc, je suppose que vous savez où se trouve cette porte. Oui, c'était ma maison quand même. Et donc, vous pourriez nous y amener ? Impossible. Le singe a dérobé ma clé de la porte indicible. Tiens, quelle surprise. Mais pas celle du maire. Ok, super. Et où est le maire ? Dans le seul endroit où les haillons éreintés de la mortalité peuvent être abandonnés. Sur le pont d'or qui sépare la vie de la mort. D'accord. Au cimetière. Le cimetière ? Bingo. Bon, bah, prochain épisode, ce sera au cimetière. Et ouais, à moins qu'on enchaîne. Je sais pas. Non, on n'enchaîne pas. C'est cool. Donc, on se retrouvera pour le prochain épisode au cimetière. En quelques coups de Calibrus, Kutaro écrasa la créature cauchemardesque et libéra les âmes des malheureux marmots des mains du machiavélique ennemi. Ouais. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre. Ah, ça fait pas mal d'âmes, là. Pas mal d'âmes de libérer d'un coup. Plutôt sympa. Allez, sur ce, on se laisse ici. Je vais essayer de finir quand même ce monde. Avant d'attaquer le prochain. On est à combien ? 38 minutes ? Ouais, donc non, j'aurai pas le temps. On va faire ça. On va faire ça comme ça, s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi, le docteur machin là. Ou plutôt, sur une maison faite de bonbons et de biscuits. Tu commences à m'énerver. De lui faire perdre la oui. Tête. Bah oui. Tiens, voilà. Comme ça, tu te tais. Donc, allez, on se retrouvera très bientôt pour la suite de la ville d'Halloween. Enfin, d'Halloween, parce qu'il n'y a pas de haine. Donc, la ville d'Halloween. Donc, on va aller défaire. Enfin, on va aller combattre Singe qui nous a piégé. Ça risque d'être drôle, donc après, ben, plus que deux petits mondes et on aura fini. Celui-là est sympa aussi. Enfin bref, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce vert, ça fait toujours super plaisir. Et puis sinon, ben, moi je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Tchou !